Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire du vocabulaire. Nous allons apprendre à ranger des mots dans l'ordre alphabétique avec Ben et Francis. Nous allons commencer par une devinette. Tu auras 5 secondes pour répondre. Dans quel livre les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique? C'est parti! Tu l'as sûrement deviné, c'est dans le dictionnaire. Pour trouver un mot dans le dictionnaire, il est donc très important de savoir comment on range les mots dans l'ordre alphabétique. C'est ce que nous allons apprendre avec Francis. Pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre de ces mots. Par exemple, abeille est avant tigre dans le dictionnaire. Regarde la première lettre de ces mots. Pour abeille, c'est A. Pour tigre, c'est T. Abeille est donc avant tigre, parce que A est avant T dans l'alphabet. Avec Francis, nous allons ranger 3 mots dans l'ordre alphabétique. Voiture, banane et papier. Regardons la première lettre de ces mots. Le B de banane est avant le V et le P dans l'alphabet. Banane est donc le premier mot. Ensuite, P est avant V dans l'alphabet. Papier est donc le deuxième mot. Pour terminer, c'est voiture. En effet, V est après B et P dans l'alphabet. Mais il y a un problème. Comment ranger abricot et artiste? Eh oui, ils commencent par la même lettre. Nous allons voir ça tout de suite avec Francis. Si des mots commencent par la même lettre, on regarde la deuxième lettre. Par exemple, abricot est avant artiste. Regarde la première lettre de ces mots. En rouge, c'est la même. On regarde donc la deuxième lettre. Pour abricot, c'est B. Pour artiste, c'est R. Abricot est donc avant artiste parce que B est avant R dans l'alphabet. Mais il y a encore un problème. Comment classer abricot et abeille? Eh oui, les deux premières lettres de ces mots sont les mêmes. Nous allons voir ça tout de suite avec Francis. Si les deux premières lettres sont les mêmes, on regarde la troisième. Abeille et abricot ont les deux mêmes premières lettres, A et B. On regarde donc la troisième lettre. Pour abeille, c'est E. Pour abricot, c'est R. Donc abeille est avant abricot parce que E est avant R dans l'alphabet. À bientôt pour une nouvelle leçon avec Ben et Francis.